La traditionnelle retraite au flambeau, organisée par les forces armées nigériennes à l'occasion de chaque célébration d'une fête républicaine et nationale, est une activité destinée à rendre des honneurs à des hautes personnalités du pays. Cette année, à l'occasion de la célébration du 102e anniversaire de la République, un détachement des forces armées nigériennes s'est rendu hier dans la soirée au domicile de plusieurs hautes personnalités à qui il a rendu les honneurs militaires. Le détachement s'est rendu d'abord à la résidence du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Issou Mahamadou, qui était entouré pour la circonstance de sa famille. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, les honneurs vous sont rendus par un détachement composé de la musique principale des forces armées nigériennes, de la musique de la garde nationale, les deux sections du groupement d'instruction de Tonvia, aux ordres du sous-lieutenant Abdelrazak Garvaïde. À vos ordres, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Ce fut ensuite le tour du président de l'Assemblée nationale Ousseyni Tembi, du premier ministre Birji Rafini, du ministre de la Défense nationale Issouf Katambe, tous en déplacement. Et enfin, le détachement s'est rendu à la résidence du ministre de l'Intérieur, Alkash Alada. Notons que ce détachement est composé de la musique principale des forces armées nigériennes, de la musique principale de la garde nationale et de deux sections du groupement d'instruction de Tondibia.